C'est maintenant les amis, y a pas mieux, on a que ça, c'est comme ça, 6 blindes all-in. 148 lèvres du Sun des Millions sur 14 400 joueurs. Allez, il va coller pour le bounty évidemment, avec 4 et 2. Dimanche dès 20h, YoViral. C'est la grosse session sur Radio Poker. Énorme session ce soir, on va envoyer des tournois dans tous les sens. Les doublés coupes sont finis, les championnats du monde de poker online sont finis, mais il y a encore évidemment le dimanche à chaque fois des gros tournois. On va lancer les trois plus grosses rooms mondiales pour les tournois, c'est-à-dire PokerStar 888 et Party Poker. Et je vais lancer les tournois qu'on va vous allez pouvoir suivre. Je vais vous montrer mon jeu en direct. Et oui, inscriptions pour Poker Pro sont ouvertes exceptionnellement parce qu'on a atteint les 100 000 abonnés YouTube. Du coup, on a réouvert les inscriptions pour le programme Poker Pro, qui est le programme le plus complet francophone pour devenir pro de poker, pour apprendre à devenir pro de poker et connaître toutes nos stratégies, nos secrets. Et ça, c'est un programme que j'ai fait moi qui dure plus de 100 heures, un programme que vous pouvez faire à distance. C'est comme si j'étais chez vous pour vous coacher. Dans ce programme, vous allez avoir plein de bonus, notamment un stage en immersion à Malte que j'ai fait avec des élèves, et il est en rediffusion en bonus. Une conférence à Paris sur le thème passer pro au poker devant 200 joueurs de poker, les conseils de Benjamin Pollack, deuxième all-time moneylist français, donc le deuxième joueur à avoir plus gagnant de tous les temps. C'est sur le site pokerpro.fr que vous trouvez les vidéos, les screenshots de performance, etc. La semaine est ouverte gratuitement avant le 6 octobre et c'est parti. Ce que je pourrais peut-être faire justement, c'est peut-être jouer le 10K en version online et venir en live le jouer si jamais je me qualifie. Sunday Fast, ça c'est quoi ça? Un 500 balles. Allez, c'est parti. Alors, il y a le 109, pareil, on va le faire. À 22h, le 1000, je vais m'inscrire. Donc, tournoi à 1000$. L'entrée sur 888, on a le record break. 530$, 25 000 à se partager. Voilà, Sunday méga deep qu'on fait comme d'habitude. Le 320$, 150 000 garantie. Sunday Gladiator, Sunday Millions, 109$, 1 million à se partager sur le tournoi. Hauteur 55, allez, on va s'inscrire. Le 320, je 3 bêtes avec 2 dames. Allez, c'est payé 2 dames. Contre As-3, le flip d'une vie. Le flip d'une vie. Et on buzz du 320, je vais rien tout de suite. C'est payé 2 rois. Contre As-Valet, sur le 320. Waouh, il a failli mettre roi, As ou trèfle. Et non, on l'élimine, on prend le bounty à 79$ net. Premier bounty de la soirée. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un bounty, c'est certains types de tournois quand t'élimines des joueurs. Vous voyez ce tournoi, il y a des targets comme ça. On gagne une somme d'argent qui est marquée là-dessus. Allez, je raise bluff. On va faire un gros. On a un avantage de range, on a brelan aussi. On a fait cher au flop, il a collé. Maintenant, on va essayer de faire peu cher. De toute façon, regardez. Si on met 4000 et il paye, il y aura 20 000 au pot et j'aurai 15 000. Donc, c'est parfait. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire tapis et on espère être payé. Paye! Allez, paye, 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 paye. Et il paye As 8. Juste un As, il a payé. Mange ta tomate, frérot. Deux dames sur le bubble rush contre As 9. On est devant. Et on reste devant. Bubble rush, on a tapis, il y aura 7 places payées. On est plus que 19, ok, c'est good. On a 16 blindes, on est là, on avance. Plus que 19 joueurs dans le bubble rush. Sun des Millions, on est all-in. Payé, il nous faut un 5, un 5. Non, on re-entry le Sun des Millions. Je crois qu'on va devoir coller, hein. Bubble rush, à suite suité contre à 7 suité. La pointure au-dessus, allez, un trèfle pour en finir tout de suite. Un trèfle pour en finir tout de suite. On n'a pas besoin du trèfle parce qu'auteur à suite, ça gagne du blu. Attention, il m'a re-raise, il veut mettre tapis. Il a 25 balles sur lui. Si je l'élimine, je prends 25 balles. Il a deux dames. J'ai deux rois dans le Sun des Millions. Allez, 25$ de bounty et on l'élimine The Waco. Boum! Sun des Millions, 25 000 jetons. Et ici, Sun des Millions avec le bounty sur lui, je vais être obligé de coller. Tirage quinte par les deux bouts. Waouh. Allez, on joue un roi, un 8. Un roi, c'est parfait. Zbra, bounty à 25$. Encore un bounty à 25$ et gros pot prix. Une fois qu'on a bête et qu'il y a un bounty sur lui qui shove, on est obligé de payer. Et on n'est plus que 7 joueurs restants. Je suis assuré minimum de 196$. Ça y est, c'est les places payées. Première place payée de la soirée, Bubble Rush. Voilà, 7 joueurs restants. Je suis 3ème tapis. On joue pour 1781$. On a Père d'As avec 3 blindes. Qu'est-ce qu'on fait avec Père d'As et 3 blindes? Tapis, les amis. Il y a un mec qui fait tapis. On y est. Oh, pas de pique.
Ouais. Ici on a fait full house. Anissa Kate de la chatte qui d'ailleurs a liké mon avant-dernier post Instagram. Anissa Kate qui commence à mettre des likes. Après nous avoir follow, elle like maintenant mes photos. Quelle est la prochaine étape? Allons partir en off, Anissa. Partons tous les deux en off. Ouais, c'est épique ce qui va se passer ce soir, Anissa. Si tu me fais un signe plus important, toi et moi, on pourra peut-être envisager un futur ensemble. Oui, Anissa, pour la première fois, même sans t'avoir vu, enfin si, de nombreuses fois, je suis prêt à m'engager, Anissa, avec une femme. Si tu demandes à mes amis, est quand même quelque chose de très rare. Anissa, je suis prêt à faire cet effort pour toi. Tenez mignon, je lui fais tapis, il a un gros bounty sur lui. Il peut raise fold des trucs. Il a l'air de vouloir folder. Oh, il a paire de valets. Il mérite un as, vu le tank. Voilà. 75$ de bounty. Incroyable, incredible. 75$ net. Tenez mignon, c'est bête la top pair. Il chauffe, c'est payé. Il a top pair aussi, on a meilleur kicker. Bam, tenez mignon. Incroyable. Le run d'une vie dans Sun des Millions. Le run d'une life. On prend 62$ de bounty. On est à 187$ de bounty accumulé déjà. Allez, à 3. 6 joueurs restants dans le bubble rush. On a assuré de combien là? 115$? Non, c'est pas ça. Ah, il colle, putain. Une good shot. On a assuré 265$. Allez, check. Oh, la quinte. La quinte, papa. Merci, Anissa Kate Death de la chatte. Allez, on met cher, on a des bluffs, on a des A6, il y a des traits, des piques ratés. Il call muck, allez, allez. Le 10, le brelan d'une vie. On passe deuxième en jeton, incroyable. Le flip. Le flip d'une vie. Allez, du bulup. Table finale, 5 joueurs restants. 1700$ au premier, tournant à 100 balles. 1781$, ça ferait un bon apéritif. A6 contre Roi Valet, on est devant. Allez, 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 un roi. Non, on perd ce gros coup, les amis. On passe troisième, ça va très vite. Hein. Toute ma vie. Toute ma vie, même si c'est pas fini. Hauteur 109, on est dans les places payées, dans une seule place. Tournant à 109$ avec beaucoup de joueurs, avec 980 joueurs, 16 000$ à la gagne. On est plus que 162, place payée à 161. Ça sera 204$, soit le double de son buy-in. Allez, je vais avoir devoir payer 10 blindes là. Ça me fait un peu chier, je vous avoue, mais bon. Un bounty à 143$, on est obligé d'aller le chercher. Allez, 10 blindes. On est devant, il a 8 et 7 off, il a craqué total. C'est le mec qui m'a snap call avec avec top pair As-3 quand la flash est rentrée. On prend 143$ de bounty en l'éliminant à l'instant. 143$, énorme. All in. 27 big blind des tapis. 3 joueurs restants. On va payer As-3 derrière. Il nous faut un valet. Un valet. Non, ça sera 3ème, les amis. 3ème place, c'est une très belle place. 3ème place du bubble rush, c'est pas une très grosse somme évidemment parce qu'il n'y avait pas énormément de joueurs. C'était un tournoi à 100 balles, je prends 647$. 647$ sur ce tournoi. Un top 3, ça fait du bien pour la confiance. On continue. Hauteur 109, on est aussi place payée. 3ème place payée de la soirée. 226$ d'assuré. Il y aura 16 000$ à la gagne, il y avait 1000 joueurs quasiment. Préparez-vous les amis. Oh non. Un as, c'est pas de carreau quoi. Quelle déchade, putain. 96 restants, il y avait 45 payés, 20 000 à gagne. 80 joueurs restants sur les 1000 au départ, odds 109. On est dans les places payées depuis longtemps, hein, depuis 161 joueurs. Assuré de 250$ pour le moment. On a été payé là avec son 9 et 18 et on joue à 9. À 9, c'est très bien. Yes. Yes. Allez, il nous faut un as. Ou un 9, non, malheureusement on bust à 50 de left ou presque. Ah, 50 places de prendre 16 000$, mais bon, pas de regret avec 12 blindes. BVB, obligé de coller le shove. Voilà, ça sera une 49ème place pour 278$. 49ème sur 960 joueurs. Après la 3ème place dans le bubble rush. Et plug sur le Sun des Millions. Raise, call, 3 bêtes. Il peut se level et se dire que. On est sur du bounty là-bas, mais pas évident d'avoir de l'action. Sauf quand il a paire de 10 et qu'il décide quand même de 4 bet all-in. Faux énorme. Yes. Incroyable. Ce pot est incroyable, les amis. C'est un pot qui m'amène à 100 blindes. On est 44ème sur 699 restants. Il y avait 14 400 joueurs au départ. Plus que 5% des joueurs en course. Ici j'ai fait bottom to pair. On a de la protection à faire. On fait full house.
Oh, Anisake, déesse de la chatte, le full house. Et bien sûr, on va faire tapis river. Le 10 fait quinte river, il y a une flush qui est rentrée. It is amazing, comme dirait Momo. On va envoyer les 30 blindes. Allez, on espère qu'il a fait le 10 river. De toute façon, il n'y a que le 10 qui nous paye ou la flush. On a qu'un sizing, c'est tapis. Payez le 10. On lui a fait capturer son 10 river en faisant un tout petit sizing turn, très important. Et il a trouvé sa straight river, sa straight empoisonnée. Quinte empoisonnée qui nous a fait monter à 3 300 000 jetons, soit près de 100 blindes sur un tournoi à 500$. 11e sur 168 restants, 50 000$ au premier. Il y aura 64 places payées, le 64e touchera 1 300 balles. Attention, on va l'achever, on va le finir. As-Dame contre Dame-7, il a craqué total. Il a mis un 7, c'est indécent son reshove. C'est indécent total. Oh là, il chauffe 15 blindes notre ami, avec, rappelez-vous. Ça c'est l'ami du Dame-7. Allez, il a roi 9 cette fois-ci. Non, mais il fait quinte, mais il gagne à chaque fois. Dame 7, il fait le 7 contre As Dame. Full house. Tapis. Allez, vas-y, fais tapis. Dis-moi que t'as un as ou dis-moi que tu vas bluffer l'as. Dans tous les cas, fais-moi tapis, frérot. A full house. J'ai la maison pleine. La maison est pleine, frérot. Payez le bluff, le bluff. Complètement dingue, il en fout partout sur la table de poker. J'en ai mis partout, putain. J'en ai mis partout, sa race. 3 millions de jetons, les amis. 26e sur 118 du 500 balles. 2h34 du matin. C'est le main par main. Puisqu'on est plus que 66 à deux places dépayées. C'est pas la folie, y a pas des mecs extrêmement short, quoi. C'est vraiment 10 aux alentours de 9-10 blindes. On va devoir jouer très serré, parce qu'on est à deux places de prendre 1 317$. Ça y est, on est payé. Raboul l'oseille, 64 left, assuré 1 317$ sur le 500 balles, 250 000 à se partager sur le tournoi, 1 800 000 jetons G. Je suis assuré de 1 317$ supplémentaires. On a un 4 places payées ce soir, plutôt bien, hein. Et on avait vu que D'Artaz ouvrait tout le temps en fin de parole. À chaque fois, on avait paire de 4, paire de 2. Alors, on a eu paire de 4 et paire de 3. On a foldé à chaque fois parce que c'était la bulle. Maintenant, on a paire de 4 dans la même situation. On va pas folder cette fois-ci. En plus, il a encore plus de stack que tout à l'heure. Tout à l'heure, il ouvrait avec 26 blindes. Là, il ouvre avec 54 blindes. Il va folder probablement. Il a pas de main, voilà, il a foldé à la vitesse de l'éclair, vous avez vu. On va faire pareil ici, bon là on a une paire encore plus grosse. Ça va peut-être l'énerver d'ailleurs qu'on le fasse une deuxième fois. Il va peut-être nous payer plus large, forcément il va nous payer plus large cette fois-ci par rapport à avant. Et il paye avec deux dames, mais putain, mais quelle chatte. Mais moi un valet. Mais non, mais t'as pas le droit d'avoir deux dames dans ce spot. T'as pas le droit, pas toi. Putain, le mec il ouvre tout, il a deux dames dans le spot là quoi. Bon bah y'a pas de regret, hein. J'ai fait ITM. Voilà, on est au début des ITM, je viens de prendre en plus le palier à 50 balles. Bon c'est des détails mais voilà, 1 370$ en faisant 56e sur 500 joueurs sur ce tournoi à 500$. Allez, le son des millions, moins de 200 joueurs restants, 400$ d'assuré plus les bounties, 331. Donc 730$ d'assuré sur ce Sun des Millions. C'est maintenant les amis, y a pas mieux, on a que ça. C'est comme ça, 6 blindes all-in. 148 left du Sun des Millions sur 14 400 joueurs. Allez, il va coller pour le bounty évidemment avec 4 et 2. Allez. Mange ta fumée proprio maltais que j'aime pas. Allez les amis, on y est. All in, messieurs dames, la fusée va décoller. Décollage imminent, on décolle. On est payé. Mangez tous vos fumées. On a été payé. Les indigènes, la déesse de la chasse. Une fois, 115 restants sur 14 400. Oh là là, Richov, putain. Nique-le, nique-le. Je peux jouer pour triple up-up. Mettez-moi un 8 tout de suite. Oh là là, putain, c'est trop. Il attend le palier avec ses 1200 jetons. Oh, brick, brick, brick. Incroyable. As-Dame, ça va être Allen. Même face à Rez UTG, je crois bien. Putain, il est tellement tight, c'est le pire spot. Oh là là, il y a un flat, putain. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait s'il a As-Valet, As-10, il fait quoi? Il fold ou il open? Il open, non? Je pense pas qu'il va coller la juste range aussi sur les all-in, donc ça va être tapis. Il y a de l'argent mort et tout, je vois pas comment on peut faire autre chose là. Il y a de l'argent mort, en fait, quand le mec est flat, c'est beaucoup mieux de faire tapis. Quand s'il n'y avait pas eu le flat, je pense que j'aurais flat, mais vu qu'il y a eu le call, il y a plus d'argent mort.
Paire de 8, le flip. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, pas Drawing Dead. Mais non, pas 97ème, 16ème, putain. C'était ce soir pourtant. Je sentais être ce soir. 331$ de bounty plus 754$ la place payée. Donc 1100$ environ sur ce tournoi. Ça donne des millions malheureusement. 96ème sur 14 446 joueurs. C'est pas le sosie de Anna Tamta? Allez, Tamta. Tamta, what's up? Elle est crevée de fou, mec. Hard night yesterday. Allez, ça y est, 13 contre 10, ça commence parfait. Horrible. Non? Ouais, même on l'entend de... 12, saute. Yes! Allez, 200 balles, on hit and run, Tamta. Fais-moi 10 balles x 40, vas-y. On a mis 10 balles sur 40, les gars. Si on touche 40, on prend 400 balles. Et il y a combien de 40? Évidemment, il n'y en a qu'un. Vas-y, 40 one time. Putain, on l'a passé. Ta sœur. Yo, elle est très belle. Yo, what's up? Hey. I'm doing good. Good morning. What is up with you? I'm good. I am good. Hard weekend. I'm good. Hard weekend. Hard weekend in what way? Is there any way I can help? Party weekend. Ah bah ouais, help si tu viens à Malte. It was a party weekend. You can help only if you come to Malta, but... It was a party weekend. You can help if you come to Malta. Okay. Ce vent. Ok, elle a dit ok. Il y a un truc, il y a un bouton qui s'appelle bet on hold. C'est quoi ça? C'est incroyable, c'est un bouton pour miser partout. Allez, je mise partout, frère. Bet on hold, sans déconner. Putain, mais c'est pour moi, la roulette, il faut qu'il marque ça. Vas-y, on va se casser. Parce que là, je me sens trop mal dans le jeu. Je me sens trop mal, mec. Évidemment, quand je joue partout, c'est le 2 qui sort. Vas-y, on se casse de sa race, pardon. Ça y est, j'ai déjà la pression de fou. Very easy. Maintenant, il y a 15 balles là-dedans. Maintenant, je la grossis. Comment ça se passe? Et je vais envoyer une sacoche là. Donc là, je fais grossir la 16. On veut la 16. Hein. Allez, 250 là. 10. Voilà, elle est à 1000 balles, je suis tombé sur 500 balles. Elle est à 1000 balles la case 16, les gars. Donc on veut la 16, mais faut pas qu'elle sorte là. Hein. Faut qu'elle soit chez nous. 6, 5, 12. Voilà, la 12 a sauté, on s'en fout, il y a que de la merde. C'est 5 balles, 1 balle. No deal. No deal, no deal, les gars. No deal, no deal. 85 balles, on prend pas. Le banquier veut nous proposer 85 balles. La 16, elle est à côté du téléphone, je vous le dis. Elle s'aime pas du tout, je crois. Elle est vénère. 16, 14, la 16 est sortie, je vais mourir. La proposition de banquier, c'est 1,20, je vais devoir la prendre. Je me casse. Putain. Attends, mais en fait, j'ai tenté un truc différent parce que je sais pas si c'est pas mieux de faire des qualifications plus chères. Parce que je pense que je me fais niquer à chaque fois sur le top-up. Ils ont tout un 25 balles là. Et c'est de la merde là. 1000 balles, je veux. Ah ah. Non, mais non, mais non, pas 50. 80 et moins 1000 balles. Yes, 1000 balles. La 16 est à 1000 balles. La 16 ne doit pas sortir. Voilà, 11 à sauter, c'est bon, on s'en fout. No deal, frère, no deal, no deal, no deal. Le banquier derrière, vous le voyez? Pas la 16. Hein. 2, 7, c'est bon. 9, c'est bon. 15, c'est bon. 113 balles, il propose. Hein. Tu flippes, banquier. Hein. Tu flippes, hein. No deal. Alors, pas la 16. Hein. 13, 5, 1, yes. Combien l'offre? Ah, 204$. Non, pas 204$. La 16 est à côté du téléphone, c'est sûr. Oh, elle les ouvre toutes. Putain. La 12, c'est bon. 14. Non, mais pas la 16! Sale putain! 4,54 centimes, mais putain! À deux doigts de faire le heads up final, putain! J'ai joué entre 7 centimes ou 1 euro. J'ai pris 1 balle.